ajustements avant le spectacle dans quelques semaines. Hé, hey, venez vers moi. Malgré les apparences, ce n'est pas une troupe. Allez, hop, 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 ça te fait marrer, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te plantes, tu te marres. Ouais, ouais. Putain, on n'est pas encore carré, hein. Des imprécisions, car ces jeunes chanteurs sont encore à l'école, de la comédie musicale. Il y a 10 ans, le chanteur Pierre-Yves Duchesne ose un pari fou, créer la première académie du genre en France. Pour lui, ce choix s'imposait. J'ai constaté pendant des années qu'en France, quand on voulait être formé à la danse, au chant et au théâtre, il fallait faire des bornes entre son prof de chant, son prof de théâtre, son prof de danse, qu'on perdait des heures folles dans les transports. Quelquefois, quand on voulait vraiment un maître, ben, on prenait les avions, on prenait les trains. Que c'était quand même intéressant de globaliser dans un même centre tous ces grands pédagogues-là. Ici, l'important est d'être polyvalent. Action, on est parti. Plus de 30 heures par semaine de chant, danse, théâtre. Et cela vous rappelle sans doute une autre école. Si les Juste Corps se sont modernisés, le principe est le même que dans la série. Chaque année, une cinquantaine d'élèves sont sélectionnés par concours. C'est le cas de Francisco, intégré à l'école depuis septembre. Cet Alsacien, comédien de formation, est monté à Paris pour concrétiser son rêve. À 41 ans, il repart sur les bancs d'école. C'est mieux de commencer, on va dire, tôt. En même temps, je suis la preuve du contraire. Ce qui me plaît ici, c'est que je peux tester plein de choses. Travail musical, solfège, de la danse. Voilà, une formation complète. Pour cette formation complète, Francisco doit débourser près de 15 000 euros pour 3 ans. Ce matin-là, il a un cours particulier de chant avec Pierre-Yves Duchesne. L'élève fait partie des meilleures recrues de sa promotion. Mais il doit encore se débarrasser de quelques automatismes. Refais-moi cette montée. Et non, fais pas le chanteur. Les pieds sur terre. Francisco, c'est la belle surprise. C'est un mec de 40 balles qui se remet en cause et qui s'avère avoir un diamant dans le gosier, quoi. On en a régulièrement des surprises comme ça. S'il travaille bien, ce mec, on va le retrouver comme chanteur sur les plus belles scènes de France. Mais avant cela, les élèves doivent s'entraîner à l'art de la scène. À l'étage du dessous, improvisation de théâtre musical sur un texte de Prévert. Et sur être immobile. Chut, mets un peu de pudeur, tiens, sois folle. Mmh. Très bien. À chaque cours, ces apprentis comédiens dévoilent une autre facette de leur talent. À la recherche de nouvelles émotions. Égare à ceux qui se verraient déjà en vedette. Leur faire croire que la notoriété est un but est une aberration totale, surtout dans le métier. Par contre, le bonheur qu'ils peuvent trouver réellement à faire ce qu'ils aiment dans le meilleur de leurs capacités, ils seront heureux. L'école espère posséder un jour son propre théâtre. Les cœurs montés ! Juste avant le baiser. Et qui sait, un tremplin vers le chemin de la gloire. C'est fini, on n'est pas là pour s'embrasser. Merci, allez! Waouh, ça rigole pas. C'est dommage.